Parfois, votre problème, c'est que en cherchant l'homme avec lequel vous allez sortir, en fait, vous ne cherchez même pas, vous acceptez n'importe quoi. Hein? Tu sors comme ça, l'oiseau chie sur ta tête, bah, tu dis, ah tiens, j'accepte seulement. À un certain moment, tu dois commencer à, surtout quand tu as déjà passé la trentaine, tu ne peux pas te permettre de prendre un homme avec lequel tu vas encore construire. J'attends que il te dit, bébé, donne-moi 5 ans. J'ai pas 5 ans pour faire le loto sur toi, papa. Oh, attends que je. Ça, c'est quand tu avais 20 ans, 16 ans, que tu pouvais attendre que l'homme construise. Et certaines femmes, souvent, tu rencontres un homme qui a 40 ans. Il n'a pas encore construit quelque chose. Ma chérie, c'est pour ça que toi-même, en attendant de tomber sur quelqu'un qui est prêt, toi-même, apprête-toi. Si tu as besoin d'une maison d'ici 40 ans, tu ne vas pas attendre de trouver l'homme qui a la maison. Commence toi-même à chercher ta part. C'est vrai que quand tu le rencontres, s'il a, c'est bon, tu ajoutes ce que tu as. S'il n'a pas, tu n'attends pas. Beaucoup d'entre vous, je sais pas, ouais, je cherche un homme avec lequel je vais construire. Non, mamie, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et il faudrait même que la personne, parfois c'est vous qui arrivez dans la vie de l'homme avant de lui donner l'idée de construire même. Ça, c'est alors l'autre là, c'est la mort. Tu l'as le trouves, il n'a pas de vision, il n'a pas de projet, il est là. Tu lui donnes le projet, après tu te plains qu'il ne veut pas suivre les projets. Non, mamie, c'est toi qui as fait l'erreur d'abord. Donc tu vas arrêter ça vite. Tu vas arrêter ça. Tu as compris, non? C'est ça qui donne des maux de tête pour rien. Tu es choisi. Tu as tes dons. Au lieu de développer tes dons, tu trouves derrière l'homme. Il faut arrêter ça.